choses sérieuses. UDU. Attends, que je place bien mon micro. Oh le délire. Ah oui, je vais retourner à l'UNATCO, c'est la fin de la mission. Pourquoi j'ai un bug? Pourquoi mon Nostromo il est pas reconnu? Pourquoi pour les touches je les donne? Manderley has assigned me as a peacekeeping occupation of this district. I took care of the generator. How's the raid going? They should have sent Agent Navarre. Your brother is timid like a child. Did something go wrong? You do not need to hear anything from me. Take the helicopter back to base. I am sure Manderley has planned a debriefing for the top agents. Welcome back. Your mission was a success. Just about the only bright side of the operation, unfortunately. Report to Manderley for a briefing. Oui, bah, je suis pas pressé. Je vais prendre mon temps, je vais pas bouder mon plaisir. Fermé pour maintenant, on se remet plus tard. Sérieux. S'il a fait le ménage après le départ. Le code, je l'avais, je sais plus c'est quoi. Ah. J'avais plaise. Good to have you back. Liberty Island is off limits. The island has been declared a crime scene and will be the subject of a thorough investigation. They told us to hang tight. Objectives remain, apparently. Mr. Denton. Yeah? The prisoners on level 3 are a sensitive matter. Leave the interrogations to Mr. Simons. You are authorized to receive your orders from Joseph Manderley, after which you will return to the helipad. Simons, you guys from D.C.? What agency? Please proceed to Manderley's office. We will expect to see you shortly. Don't worry about what the guys are saying about Hell's Kitchen. Ouais. Alors, ma couille. Ouais, de nouveau. Quoi? Shannon, des munitions à nouveau disparues. If it wasn't for the warehouse, I'm sure you would have helped out with the firefight in front of the hotel. Oui. Alors, attends. Des munitions à nouveau disparues. Nous avons dû changer le code de la porte du préfabriqué de communication près de l'héliport. Nouveau code A0451. I know for a fact from when you were at the academy that you can do more than throw gas grenades and use the car. They're full. Ah, 0451. Agent Navarro was grinding gears over how you handled Castle Clinton. Not hard to flip her switch, is it? J'ai même pas écouté ce qu'il m'a dit. Il parlait de moi. MG par sa polyvalence. Il peut être utilisé pour une grande variété de travaux de réparation, de construction et de maintenance. Par défaut, le R118 est équipé d'un laser Argon-Croia Searchlight 3, fixé sur un bras standard de type MGIRL, lieu et d'une carte de traitement optique de la marque Chiang, d'une batterie bioélectrique auto-rechargeante et d'un contrôle radiocommandé et de 16 gigabits de mémoire interne pour une capacité supérieure de personnalisation de tâches. Le tout à un prix abordable. L'interface bioélectrique utilise le standard L-Lite, mis au point par MG et adopté depuis par la plupart des autres sociétés. Les unités de la gamme R peuvent donc faire office de chargeur bioélectrique mobile si besoin est. Ah merde, je me suis enfermé. Ah oui, c'est ça que j'ai ouvert. Oui, on peut leur faire le machin. Ah oui, c'est bon. Ah, si je suis dessus. I'll take you back to the city after you check in with Manderley. Ah ouais, c'est cassé. Oh merde. Oh. Il est parti de bicher. Take you back to the city after you check in with Manderley. Ah, second joke. I'd like to know what the feds are doing down in the cell block. Oui, bah, j'irai sûrement leur rendre visite. Don't worry about what the guys are saying about Hell's Kitchen. That's against protocol, Agent. Yeah. Alors, on se fait chier. I know for a fact from when you were at the academy that you can do more than throw gas grenades and use a prod. They're full of it. Ah. If there were just some way of tracking all these people. Ah ouais, chapitre 3, Underground. Ah, cette musique! J'adore! Manderley said he's busy, but to wait outside his office. J'ai pas compris, là, non plus. Il est occupé, Manderley, il demande quoi? Manderley dit qu'il est occupé, mais vous demande de patienter devant son bureau. Oui, bah, il va pouvoir m'attendre. Est-ce que je vais aller voir ailleurs? Attends. Ah non, je pensais avoir le détail du commentaire du gars. Agent Navarro was grinding gears over how you handled Castle Clinton. Not hard to flip her switch, is it? Ah. D'accord, je comprends. Ah, ça fait rager Anna que je les ai maîtrisés sans les tuer. Ah, bordel. Don't listen to what they're saying about the shootout in the park and Hell's Kitchen. You had other priorities. Ouais, oui, bien sûr. Oh, salut ma couille. Comment ça va? Just filling out a report on the mop-up operation. Sérieux? Laisse-moi voir. Oh. T'étais en train de faire un solitaire, cochon. Glandeur. Pas cochon, oui, t'allais sur des sites porno. You're just kidding around, right? C'est pas sérieux. Alors, l'UNATCO et les médias. Ah oui, j'avais déjà lu ça. Écoute, après ce que j'ai vécu, j'ai besoin de me changer d'idée, mon grand. Un peu de culture. Ah, mon Dieu. Ah, il y a mon copain, le médecin. Non. Il n'y a pas mon copain, le médecin. Attends, voir. Ah. Il y a du nouveau ou... Non, il n'y a pas de nouveau. Ah, le bureau du frangin. J'ai accès à son bureau et à son appart. C'est dit pas beau. Merde, putain, j'ai fait me casser la gueule. Ah oui, la photo collector. Ça va, tranquille, le fauteuil en cuir. Que j'essaye le compte de l'autre pote. Mais oui, on a le sélecteur de toutes les portes. Tu peux pas tester. l'ouest. Putain, mais il y a des bruits, il n'y a rien du tout. Alors, il y a la lecture, coup d'arrêt, oui, donc c'est un terminal d'information publique. Hein. Coup d'arrêt à la terreur. Coup d'arrêt à la terreur, nouvelle perspective de la liberté. À partir du moment où un fou a le pouvoir d'anéantir une ville de 20 millions d'habitants avec un microbe cultivé dans sa cave, une nouvelle approche de la manière de faire appliquer la loi s'impose. Chaque citoyen de ce monde doit être placé sous surveillance. Cela implique des caméras à toutes les intersections des voies les plus fréquentes, des analyses informatiques de chaque appel téléphonique, courrier électronique, ou du courrier classique, désigné aujourd'hui en thème de snail mail, ou courrier escargot, et une économie électronique transparente au sein de laquelle toute transaction doit être enregistrée et codifiée pour une éventuelle extraction ultérieure. Nous ne sommes plus très loin de l'achèvement de cet objectif. Certains diront que les libertés et les droits de l'homme ont été bafoués, mais la vérité est qu'ils n'ont jamais été aussi bien servis, car à mesure que la surveillance progresse, les citoyens se sentent libérés de la crainte du danger, de l'inquiétude de marcher seul la nuit dans des rues sombres, de la peur de ne pas travailler dans des conditions de sécurité totale et soulagés de pouvoir acheter tout produit au service légal sans risquer d'être escroqué. Bientôt, chaque citoyen gagnera paisiblement des crédits, s'en servira dans des rues commerçantes paisibles pour acquérir des biens pour sa paisible demeure, fera des barbecues avec des étrangers aussi bien qu'avec ses voisins et dormira portes et fenêtres grandes ouvertes, si ce n'est pas là à portée de main le rêve paisible de toutes les civilisations de l'histoire de l'humanité. Alors, qu'est-ce que c'est? Anna Navarre, agent de l'UNATCO. J'en reviens pas qu'elle ait pondu ça. Enfin bon, terrorisme, la guerre de l'ombre. De quelle manière peut-on combattre une menace qui, se dissimulant dans l'ombre, n'a ni base ni territoire défini et dont on ne connaît généralement pas l'identité de ceux ou ceux qui la génèrent? Penchons-nous sur les manuels d'histoire militaire. L'archétype de la gestion des troubles civils est le système d'évaluation locale, celle développée par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam au XXe siècle. Les populations locales de ce pays rassemblaient alors des communistes et des loyalistes dans des proportions extrêmement variables, et la loyauté des villes et villages est évaluée sur une échelle de 1 à 5, 5 étant la meilleure. Les rapports de l'époque, écrits par les nombreux commandants régionaux, afin de maintenir à jour la carte des concentrations idéologiques, ont largement inspiré les rapports terrain de l'UNATCO. C'est ainsi que l'ultramoderne UDU, unité déployée UNATCO, est largement inspiré des CAP, Combined Action Platoon, peloton d'action combiné, utilisé au Vietnam. Des pelotons d'assaut de 15 hommes chargés de la sécurité des secteurs réduits. Les villages placés sous protection CAP obtiennent une note moyenne de 2,95 sur l'échelle de loyauté, à comparer à une moyenne de 1,6 sur l'ensemble de la région. Les CAP se chargèrent de nombreuses missions, mais surtout, ils collaborèrent avec la police locale pour renforcer les liens idéologiques. Mais de la même manière, les UDU sont des pelotons de la priorité et d'aider à la création des communautés dans des conditions de sécurité optimales. Hein, c'est le patron de l'UNATCO qui écrit ça, décidément. Alors, connaître son ennemi, les Templiers. Connaître son ennemi, les Templiers. On n'a pas pu encore établir avec certitude si les Templiers doivent vraiment être considérés comme des terroristes dans la mesure où ils ne recourent pas aux armes de l'arsenal classique terroriste moderne. Mais il ne faut pas s'y tromper, car même si les Templiers se servent du chantage et de l'extorsion plutôt que des armes ou des bombes pour intimider les citoyens libres d'un pays, ils sont tout aussi dangereux qu'un autre groupe. Et alors qu'ils sont présumés être innocents, directs d'une société secrète dont les racines s'étendent jusqu'aux croisades, les Templiers d'aujourd'hui paraissent principalement occupés par l'augmentation conséquente du montant de leur compte en banque et consacrent l'essentiel de leurs efforts à des manipulations financières qui, plusieurs fois, ont fait s'effondrer les marchés. À l'heure actuelle, les Templiers sont classifiés inactifs, sévèrement affaiblis depuis le raid combiné UNATCO et Interpol sur leur quartier général de Paris en 2051. Néanmoins, plusieurs de leurs figures emblématiques sont toujours en fuite et pourraient réapparaître sous une autre dénomination. Alors, connaître son ennemi, X-51. Connaître son ennemi, X-51. Alors, on ne dispose que de peu d'informations sur le groupe X-51, mais on a pu établir avec certitude leur participation à certaines recherches expérimentales, recherches pour la plupart prohibées par les accords internationaux depuis plus de 50 ans. Les simulations informatiques indiquent une probabilité très élevée de l'implication du X-51 dans le désastre qui a submergé une partie de la Californie du Sud, même si la nature de l'expérience qui a causé cette tragique catastrophe est encore inconnue à ce jour. Les objectifs du X-51 n'ont pas pu être définis à ce jour. Les actions aléatoires de ce groupe tentent même à se demander s'il poursuit un but précis. On présume que le groupe est dirigé par Gary Savage, un scientifique qui travaillait sur un certain nombre de projets secrets pour le compte du gouvernement américain avant de disparaître dans de mystérieuses circonstances il y a de ça quelques années. Tout agent recueillant des informations sur le refuge actuel de Savage ou d'autres membres du X-51 doit les communiquer immédiatement à son contact local ou à son supérieur hiérarchique. Il me dit quelque chose, Savage. C'est un personnage important dans l'histoire que je vais rencontrer dans le futur. Ah, là, 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 là. Ah oui, alors je voudrais essayer le... Vas-y pour le retrouver, toi. Blablabla, blablabla. Ah oui, ça y est, c'est le vendeur de matos, là. Je veux voir si ça marche d'une mission à l'autre. Comme j'avais piraté les 3 terminaux bancaires... Avant de tomber sur ses coordonnées bancaires, j'ai pas pu tenter ma chance. Alors attends, je note sur un papier 312 446 et le code est 1351. On va voir si ça marche. Sinon t'as un pi. Moi je dis ça marchera pas. Alors. 446. C'est moche à dire, mais d'une mission à l'autre, je pars pessimiste. 1351. Login. Ah oui, tu vois, ça marche pas. On est bien d'accord, je me suis pas planté. Ah merde, faut que je retrouve le... Ah, ouais, non, c'est... Voilà, j'aurais dû le faire lors de la mission précédente, pas là. C'est dommage qu'il n'y ait pas tous les codes de tous les... Ah. Bah, je me le ferai en repartant celui-là, si je tombe sur une info exclusive. I heard about the raid. Don't sweat it. I'm sure Paul had his reasons. Allez, pisser un coup. Ah, c'est bien. Oh putain, l'animation est bien faite en plus. Papier toilette. On va se laver les mains. Hygiène. Voilà. Shot Simulator. Enfin, je rigole, mais en plus, ça existe le jeu. Tu finis le jeu avec des chiottes en or massif et tu te torches avec de la fourrure d'animaux rares sauvages. Ah, c'est horrible ce jeu. Bon, bref. Du coup, je suis hilar. Merde. Ouais, je veux bien. Ah oui, il faut que j'aille voir le médecin. Never mind Anna Navarre. She hates everybody. Oui, elle est chiante, Anna Navarre. Puis si je trouve son mot magique de désactivation. Je me ferai une joie de la détruire par la voix comme Paul Atreides dans Audible Dune. Ceux qui connaissent la référence culturelle vont comprendre. Audible. Du coup, je ne sais même plus. Ah oui, niveau 2, il faut descendre. Ah oui. Oui, bah, Joseph Manderley, il va. Ah ah, il y a Anna Navarre qui rage. Ah oui, c'est la salle de réunion commune. Mais c'est vrai que je regarde s'il y a moyen de... Coucou, salut connasse. Oh putain, c'est quoi ça? Oui, je le veux. Ah, je sais pas ce que c'est, mais je le veux, c'est une augmentation. Attention, inspection. Inspection Tofillon. Ah, un bouquin. L'ai-je lu? Oh, pas du tout. Les anges de la justice, perspective de l'UNATCO de Wendy White. Chapitre 2. Le nouveau Séraphin. Alors que l'insouciance qui accompagnait le début du millénaire s'estompait progressivement pour laisser place à l'horreur muette de la peste et de la famine, et aux inévitables contre-coups politiques de cette vague apocalyptique, les Nations Unies se montrèrent totalement dépassées par la situation et incapables de s'opposer à la marée montante du terrorisme global. La tension entre les privilégiés, bien à l'abri dans leurs enclaves privées, et les démunis s'accrut rapidement à mesure que le système de santé s'effondrait progressivement, rongé par un flot incessant d'épidémies qui les frappait de plein fouet. Le net avait alors largement contribué à fragmenter les communautés en de plus en plus de nombreux et de plus en plus petits groupes d'intérêt. Et à mesure que les polices locales rivalisaient d'inefficacité et que l'accès à des armements de plus en plus destructeurs se banalisait, des conflits armés éclatèrent de la part et d'autre des frontières nationales, et jusque dans la rue des plus grandes métropoles. Alors, leurs forces militaires dépassées et sous-équipées, les Nations Unies se déclaraient impuissantes, et la création d'une nouvelle organisation fut requise, l'UNATCO, une armée de séraphins divinement chargée de rendre une justice impartiale, une armée d'anges aux ailes de feu et aux glaives de flammes. Oh mon dieu, cette image pourrait être plus bouddhique. Ah, mon bureau. Ah, livre. Attends, est-ce que je l'avais lu ça? Attends, je vais le lire dans le doute. Règlement de l'UNATCO. L'UNATCO, présentation, classification. Les Nations Unies disposent de... Ah si, j'ai déjà lu. Si, j'ai déjà lu. L'UNATCO, elle est civile. Ça, par contre, j'en ai pas souvenir. Oh, t'as un nom pour le téléphone. Au cours de leur mission, les agents de l'UNATCO se trouvent fréquemment en contact avec des civils. Vous êtes un soldat de la paix et dans toutes les situations, votre premier objectif doit être d'éviter toute perte en vies humaines. Si des terroristes peuvent trouver avantage à l'élimination de civils, cela ne peut être le cas des agents de l'UNATCO. Faites les sommations d'usage avant d'ouvrir le feu sur un suspect et ordonnez toujours aux passants de se coucher ou de se mettre à l'abri, dans la mesure du possible. Évitez d'ouvrir le feu dans la foule. Tout civil blessé ou tué est considéré comme un dommage collatéral, mais jamais comme une conséquence négligeable. Néanmoins, gardez à l'esprit que tout civil non habilité Angel 01 au moins est un espion potentiel, donc un suspect. Les espions ressemblent aux gens ordinaires, c'est pourquoi il ne faut apprendre à considérer le secret comme votre meilleur ami. N'oubliez jamais, ensemble nous vaincrons. Nous vaincrons. Ah oui, j'ai oublié que j'avais une télé dans mon bureau. J'ai quoi? Oh, décodeur. J'ai déjà des jumelles. Alors comme je suis con et que j'ai oublié mon identifiant, je pirate mon propre PC. C'est JC Denton, mais après je sais plus. Ah si, c'est Bionic Man. Merde, je suis con. Attends, je vais tenter de me connecter proprement. Si. Finalement j'ai une bonne mémoire. C'est JC Denton et c'est Bionic Man. En espérant qu'il n'y ait pas un jeu de casse. Majuscule, minuscule. Si, putain, vous faites chier. Ah, merde, c'est Denton. Oh, je sais plus. Non, merde. Ah, c'est peut-être J. Denton, je sais plus. Allez, dernier essai. Bionic Man. Non. Je suis nul. Allez, go. Je vais lire rapidement. Alors, J. Reyes, félicitations. Je vous félicitais... Non, je vous félicite d'avoir survécu à notre première mission, Psycho. Je sais que ça fait partie du boulot, mais je suis vraiment très content de vous voir de retour en un seul morceau, ou presque. Si vous lisez ce message avant que nous ayons eu l'occasion de nous voir, amenez vos nanites ici que je puisse vous rafistoler. Oui, je vais aller le voir, j'ai besoin de soins. J'ai entendu quelques bruits de couloir, il semblerait bien que, qu'en haut lieu, on ait profité de cette attaque des NSF pour évaluer vos capacités. D'après ce que j'ai pu entendre, ils sont tous aux anges, sauf Gunther, mais il a mauvais caractère. Gardez le moral et soyez vigilants, j'ai un peu l'impression que tout le monde a un agenda bien rempli dans cette baraque, James. Oui, bah je dirai le deuxième message en revenant tout à l'heure. Le bureau de l'autre connasse. Non, pied de biche, j'en veux plus. Ta gueule. Fléchette. Putain, mais comment qu'elle range ? Ouais, bizarre son fauteuil. Ah, pourquoi ? Ah, je veux avoir accès à tout ça. Encore que, honnêtement, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est les fléchettes. Mais, non, elle a rien. Alors, oulala, je sais pas trop quoi penser de ton agent Denton. Il n'est pas comme le frère, mais on dirait qu'il peut prouver ce qu'il est meilleur que nous. Je me demande s'il comprend ce qui est en jeu. Jim, on a là, j'active la mission, nanana, tout l'enrosé volé, nanana, bon je dirais en tête ça. Changeons de un compte, non il n'y a rien. Oui donc, oui selon nos renseignements, c'est Jules Ledolave, un chef terroriste connu, qui a organisé l'opération, ouais dans le Jules, nanana, bon bref, on verra plus tard. Ah j'ai même pas vu qu'elle avait du matos. J'ai même pas réagi à passer dedans. Tiens, moi, acquisition. Bah, y'a rien dedans. Oh, je suis déçu. Ah, Gunther, le casque. Merde. Et ça me fait marrer. Ventilateur de plafond, bah tiens, elle est bonne celle-là. Ah, il est en train de rager. Eh bien, est-ce que tous les bureaux de ce complexe disposent d'un système de ventilation, blablabla, blablabla, ouais. Service d'entretien, mais non, il n'y a rien. Ouais, bon. C'est la blague sur son... Merde, pas réussi. Ah, ça fait plaisir. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Ah, bah des munitions que j'ai déjà. Mais je l'avais pas... Ah merde. Bon. Alors pour le fun, je vais voir ce qu'il y a dedans. Alors, ça s'ouvre. Ne regarde pas ce que je fais. Oh non, ça c'est moche. Alors ça c'est dégueulasse. Enfin tu me diras, ils doivent pas s'amuser à le démonter tous les jours. Mais que fait l'équipe de maintenance? Ah mon dieu. Putain, mais à chaque fois je passe une heure dans le QG à foutre le bordel à chaque briefing. C'est quand même magique. Bon là il n'y a plus rien, c'est dommage. Bon, il n'y a rien de... Il n'y a rien. Fais ta route. Merde, lui c'est chez toi quand tu mets des trucs. Oh allez. Je te fais confiance. Je tourne le tir, ouais. Bon, attends, là je vais urger un peu. Conference full of it. Earlier tonight in the statue, I bet you had at least half a dozen takedowns. At least. Quoi, je suis prête à parier. T'es une fille, non, t'es un mec. Enfin, tu me verras, y'a plus de char. Those jerks from Washington think they own the place. Long night, huh? Agent Navarro was grinding gears over how you handled Castle Clinton. Not hard to flip her switch, is it? Gunther's full of it. Earlier tonight, in the statue, I bet you had at least half a dozen takedowns. At least. Pas descendu, neutralisé, sans tuer. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de sang sur les mains. They've got some kind of specialist from Washington downstairs. Somebody to interrogate the prisoners. Mais d'ailleurs, faut que j'aille le voir, le type, il m'intrigue. What? Attends. On méfie toujours des caisses, des obstacles qu'ils mettent. Y'a pas des trucs. Si, y'a des trucs bloqués. Je le savais. Et un passe-partout. Un passe-partout de gagner. Ouais! She hates everybody. Ah, mon copain. Ah, qui est pas là? Ah, si, il est là. Comment ça va, ma couille? Merde. Agent Denton, marvelous. In addition to an accuracy weapon modification, I've got a couple of multi-tuners. Mr. Carter, can I ask you a question? Certainly. I'm getting the impression that UNATCO is focused more on military operations than law enforcement. The focus has shifted lately, I agree. The only way Anna would have been satisfied is if I'd executed every terrorist in Castle Clinton. The standing order seems to be shoot to kill. Direct intervention is always part of the game. In my day, we were just more civilized about it. Civilized. That's the word. I guess I was expecting a little more class from the world's anti-terrorist organization. We just have to strike a balance. Why don't I throw in an extra clip with those multitudes? I trust you will be able to judge when one or the other is appropriate for achieving mission objectives. I can't carry anything else right now. Hold on. Merde, à chaque fois je suis blindé comme une mule. Ah non, trop drôle. Ah oui, putain, j'ai trop de matos. Mais si seulement je pouvais en vendre, merde. D'ailleurs, c'est con, il faut que je retourne dans mon bureau pour me vider les poches. Attends, des prismes, j'en avais pas deux. Ah non, j'ai deux trucs différents. J'ai un modificoprisme et un amplificateur. Nuance. Ah oui, l'amplificateur c'est une option que j'ai déjà mais je peux l'augmenter. Et le modificoprisme c'est un bonus à choisir. Ouais. Amplificateur de vitesse ou course silencieuse. Pour la course silencieuse, je vais me faire une joie de la prendre. Oui, tu parles de mouvement musculaire, des sites de déplacement sur des agents sont continuellement déterminés par des équations cinématiques calculées par des nano-ordinateurs intégrés. Le bruit émis en déplacement est réduit de 25%. Putain, au niveau 4, l'agent est totalement silencieux. Oh, c'est énorme! C'est énorme, c'est énorme. Et l'autre technologie, c'est quoi? L'agent peut courir comme une flèche et sauter du haut du bâtiment le plus élevé. La vitesse et l'amplitude des sauts sont accrues de 80% et les dégâts subis lors des chutes réduits de 42. Bref. Non, je vais miser pour la furtivité. Ah, il y a mon copain l'informaticien. Ah oui, mais je vais devoir aller me faire soigner là. Ah, j'ai eu soif. Oh, qu'est-ce qu'il fout là? Salut. You want to talk to my friend? He's a little down. Ah bon? Ah oui, c'est bon ça. course silencieuse. Ouais, je veux la course silencieuse. Yes. Santé, soignez tout. Yeah. Oh, ça fait plaisir. Et du coup, comment je fais pour utiliser celui-là? L'utiliser. Ah. Améliorer. Oui. Je passe de 22 à 29 kilos. Ouais, bah, que rien. Vivement que je passe à plus de 42 kilos, là. I took a few hits tonight. The doc had to operate. We'll get well soon, soldier. Yes, sir. I will. Dr. Reyes said they took the bullet out, but I still feel it in my stomach. Looks pretty bad down here. Keeps getting worse, too. It must be raining bullets out there. The NSF aren't kidding around. How you holding up? Fine. I lost one of the privates because a refrigeration unit went down. That's always hard. Oh, man. You've got a lot on your hands. Don't beat yourself up over faulty equipment. By the way, we aren't in such shambles that we can't spare a few medkits. Check the storage closet. Oh, merci. Merci, le doc. Alors, lisons vos mails. I don't understand. What are you doing? Mais si, je sais très bien ce que je suis en train de faire. Alors... Inspection. Oh là, division médicale. Alors, les informations relatives aux mécanismes auxquels vous faites référence sont accessibles aux personnes disponibles de l'académie en 30 GC supérieur à sujet de personnes autorisées à tourner l'action disciplinaire. Oh là là, oh là là. Pendant que je répare nos agents Omega, j'ai localisé à l'intérieur du système de règles autonome une crise qui ne figure dans aucun des dossiers que j'ai à mes dispositions. Je crains qu'une défaillance du mécanisme n'entraîne l'arrêt total des systèmes vitaux de l'agent avec des conséquences fatales que l'on peut imaginer. Veuillez trouver attachées les photos scannées de la structure en question de son environnement. Oups. Ah, ah. Peut-être j'accède au niveau 4. J'avais lu ça. Division médicale. Attends, elle est où l'armoire pour le... C'est dans l'armoire. Boîte de pétri. C'est quoi une boîte de pétri? Ah, c'est un... Oui, d'accord, c'est pour observer les micro-organismes. I don't understand. What are you doing? Je cherche désespérément l'armoire où il y a le... Ah non, c'est pas ça. You certainly made an impression on the troops tonight. Ouais, bah c'est bien. Mais où l'armoire? Enfin, merci, j'ai pas compris. Il y a sa bibliothèque, mais il n'y a pas de billet. Je comprends plus. Ah, c'est peut-être ça. Ouais, bah c'est mieux que rien. Merci, docteur. Merci, le doc. Alors, mon copain l'informaticien. À son poste, comment c'est possible? Alors, projet Dybbuk. Ah oui, c'est le Dybbuk, oui, bah je suis allé à bord. Je crois que c'était lui, j'ai des hallucinations. Oh là, il y a trop de monde. Ah, j'ai mon arrêt. Très intéressant. Il faut lire. Oh, moi j'ai eu tous les courriels. Alors il est vrai qu'il faudrait que je renote les... que je retrouve les notes des... les codes d'accès. Trouver... code... attends. Le mot-clé serveur. Ouais, mais il n'y a pas de serveur. Alors, là, c'est le serveur. Ah, d'accord. Attends. Serveur UNATCO. Ce serait... J'avais pas vu que je pouvais être dans tout grand. Ah oui, l'aile de détention 3173. Je sais plus, c'est dommage. Ah, c'était en diminutif. JCD Bionic Man. Oh, putain. JCD Bionic Man. Ça y est, j'ai le stylo qui part en fumée. 737. Welcome aboard, Agent. I'm Shannon. It's a pleasure to meet you. Bonjour, Shannon. Sois très prudent, donc c'est le frangin. Sois très prudent. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors je vais faire court. Ils vont probablement te raconter des tas de choses sur ce qui s'est passé aujourd'hui et on va sans doute tout te mettre sur le dos. Sache simplement que j'ai de bonnes raisons. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Le net n'est pas sûr, mais fais-moi confiance. Si la curiosité te démange, rien ne t'empêche de faire ta petite enquête en allant tapoter sur quelques claviers. Jette un coup d'œil sur l'ordi de Manderley si tu en as l'occasion. Ouais, le mot de passe est Knight Killer. Ouais. Regarde aussi sur celui de Navarre si tu peux. Malheureusement, je ne connais pas ce mot de passe. C'est une femme de glace, alors fais gaffe à pas attraper froid, frérot. Méfie-toi de tout le monde. Hé hé. Stop clowning around, Agent. C'est qui elle déjà? Janice Red. Ah oui, c'est le secrétaire. You'll have to wait a minute. Mr. Manderley is busy. I was here first. Mr. Manderley is in a meeting, JC. You'll have to wait. I was told to report for a debriefing. A debriefing. Do not worry. I will state in my report that I was satisfied with your performance. Be quiet. I am trying to listen. Just fire the arrogant son of a bitch. I wasn't exaggerating. He's our best agent. We don't need him. We've got his brother, and more on the way. He knows nothing. I think he does. You should never have sent him to Hong Kong. Let's be sensible. We have to look at the whole record. Look, I understand. He was your pet project, but it's out of my hands. Now that the shipment's been lost. I know. I will comply with the order. That's all I ask. Carry on. I'm going downstairs to interrogate the prisoners. Ah oui, je suis pas allé voir les prisonniers. Service. Denton. Yes, I hear you're turning out to be quite an asset to the Coalition. Doing my best, sir. Forgive me, but I do not believe I know your name. We aren't ready for an introduction yet. No, it's not time. Just keep your nose to the pavement. You will be well rewarded. Trust me. Ah, tu veux des coups de fouet, tu me cherches à la... Possible. Attends, je peux mourir. Je vais faire partie de l'interrogatoire. We're looking to you to set an example. I have one question. They already asked. I don't know. One must admire a man who can keep a secret because he has value. What you know more than others makes money and gives you a measure of power. You Walton Simons? You think I could be bribed? Margaret Forsyth under NSF protection in Queens. Your son Richard attending Bronx Science. You see, I have a few relevant facts myself. Care to make a trade? You wouldn't dare. I'll give you 2 seconds to decide. Get out of here, Denton. This is none of your business. Time's up. Where is the NSF taking the ambrosia? They asked me already. I don't know. Need I remind you that in the case of a national emergency, FEMA has a list of 6 million Americans who will be transported to detention centers? Your tabloids call it RX 84. Yeah, including the President, Congress, and the Supreme Court. In my position, I find it very easy to add names to that list. Go to hell. The United States government has had emergency powers since World War II. We've never left a state of war. Speak for yourself. The federal government is just responding to a threat. A government should be about more than self-perpetuation. You will confess, by the way. I don't like to dirty my hands with that sort of thing, but you will confess. certain intellectual properties, aside from the quantities of vaccine, concern me deeply. Has the NSF made any attempt at reverse engineering? Leave me alone. If you wanted to save people, you could have unloaded the whole shipment in Manhattan, or the airlift. You said it yourself. Secrets are power. We have less civilized ways of making you talk. Man. Ask me if I care. But not that patient. No way. You saw nothing, didn't? Report to Manderley. Okay. Your turn. See what you can find out in Manhattan. The real plague eating at the minds of the American people is secessionism, regionalism, this new arrogance and sense of entitlement. Okay. Attends, je vais recharger parce que je vais quand même tirer dessus. Certain intellectual properties, aside from the quantities of vaccine, concern me deeply. Has the NSF made any attempt at reverse engineering? Leave me alone. If you wanted to save people, you could have unloaded the whole shipment in Manhattan, or the airlift. You said it yourself. Secrets are power. We have less civilized ways of making you talk. I am a patient man. Ask me if I care. But not that patient. I think you're supposed to be down here, Agent. I won't say anything, but I think you should go. I think Mr. Simons wants to be alone with the prisoner. Hey, what the hell? J'adore. I think Mr. Simons wants to be alone with the prisoner. Manderley will chew us out if he finds out you were here. espèce de libre dans mon inventaire. Ah oui, t'es loin de couille. T'es parti bouder. Ready to load up? I can't carry anything else right now. Hold on. Pour être sûr de tirer dans le... Ça va m'aider. Donc là je suis à précision plus 9%. Ouais. Il m'a donné des décodeurs, j'adore. Ready to load up? I can't carry anything else right now. Hold on. Mais non, mais attends, je viens de faire le point. Il est con lui. Ready to load up? I can't carry anything else right now. Hold on. Ah, attends, ce qu'il va me donner est plus gros que ce que je ne pense. Ok, d'accord. Tiens, d'ailleurs, je vais rigoler. Je vais aller faire suer le boss. Rester dans la salle d'avant. Oui. Le grand vilain dans la cape noire. Alors. Oui, bon, bref. Faut que je vide mon inventaire. Oui, bah, je vais jeter ça, tant pis. I don't think you're supposed to be down here. Non, mais il a une parabole dans sa, dans son bureau. Ready to load up? I can't carry anything else right now. Hold on. Mais merde, mais il veut me donner quoi? C'est pas possible. Attends, je vais balancer de ces trucs là. Tant pis, je balance ça, je balance ça. Ah, voilà, je balance pas lacrymo. Alors. Ready to load up? I can't carry anything else right now. Hold on. Mais. Ah. Ready to load up? I can't carry anything else right now. Hold on. Ah, c'est peut-être que dans les compteurs, je suis à fond en fait. Mais comme tu dis, même moi, ça m'étonne. Même moi, je savais pas de terre. Putain, ça me fait chier de ne pas retrouver le code de l'informatisation. Je retrouve le code.